Salut mes amis, bienvenue à la maison. Vous aimez le sucré? Ça tombe bien, c'est prévu. Au menu, crêpes Suzette. L'élément principal sera bien sûr les crêpes. Donc ce sera les classiques, farine, œuf, beurre et lait. Et Suzette, ça veut dire grand marnier, sucre, orange et bien sûr beurre. Et pour l'intrus, on verra plus tard. Cette vidéo sera en deux sections, ça veut dire une en cuisine et une en salle à manger. Avant que la finition se fasse en salle, il faut que la mise en place se fasse en cuisine. Donc on y va. Pour la mise en place, on commence par la pâte à crêpes. Le grand bol ici. Farine 400 g, bol à la plonge, le fouet, on fait un puits, pâte de sel, caramel, beurre et salé, les œufs, les voilà, 5, un cinquième, le compte est bon, impeccable, pas de coquilles, super. Et les coquilles à la plonge, ça servira pour les oiseaux. Beurre salé, 125 g, comme ça, le petit lait est salé, donc pâte de sel, fouet et on mélange. C'est un peu épais, le lait, environ 1,5 litre. Et on mélange. On va dans les coins arrondis, on râpe tout ça et on mélange. On mélange énergiquement pour ne pas faire de grumeaux. C'est encore épais, un peu de lait. Et on continue. On dilue encore un petit peu. Ce sont des crêpes Suzette, donc un peu de grand marnier, genre comme ça. On mélange, l'appareil est super nickel. Pour plus de saveur, orange, zeste, pas trop long, ça devrait être suffisant. On secoue, le zesteur au repos mais il va revenir et l'orange en réserve. On mélange, vérification visuelle, excellent, pas de grumeaux, pas très lisse. La louche, on la laisse là. Et la pâte, on va la faire reposer environ une heure. Fouet, c'est fini. Le fouet à la plonge. La pâte repose. Avant de faire le jus d'orange, je vais faire les zestes. L'orange comme ça, le zesteur. Et on fait des zestes. Pas trop gros. Une deuxième. Bien évidemment, mes oranges ont été lavées. Car même les bio, on n'est jamais sûr quand ils arrivent de loin. Ça devrait être suffisant pour l'instant. Le zesteur pour plus tard, les zestes en réserve. Donc maintenant on va faire le jus. Orange comme ça, couteau orange bien sûr. Orange coupe 2. La machine et les oranges on presse. Donc vous comprenez avec une machine comme ça, c'est pas la peine de faire comme ça. On y va direct. Et en final il n'y a rien. Pour l'extrait de saveur, le citron est là. Couteau jaune, coupe 2, et on presse. Opération terminée, cette partie va à la plonge, la mesure est revenue propre, et le jus d'orange, comme ça. Et le tout à la plonge, et les mains à la plonge. Après une heure, ma pâte a bien reposé, la voilà, on réactive, super nickel, toujours pareil, pas de grumeaux. Pour la cuisson, feu à fond. Et on attend environ 180 degrés Celsius. La poêle est chaude, une goutte d'huile, papier absorbant, on l'étale. Impeccable, une louche, on l'étale. Je ne vais pas faire des crêpes trop larges car la poêle du serveur n'est pas très large. On attend une légère coloration autour. Généralement la première est ratée, on verra. La coloration commence à se faire, ma poêle est très lourde donc spatule. En effet elle est ratée, que ce soit pour le caméraman. On rehuile, impeccable. Deuxième. La deuxième devrait être prête. Impeccable. La crêpe est prête, on la réserve. On continue. Ça commence à colorer autour, super nickel. On égalise et on attend. La deuxième terminée. On continue. On égalise
on va en dessous, on soulève et on tourne. Impeccable. On attend genre 20 secondes, on réserve. Une troisième, on égalise et on laisse colorer. Ça commence à colorer autour, on passe par en dessous, on soulève et on tourne. Ça devrait être suffisant. Spatule, on soulève et on réserve. On passe à la suivante. Et on tourne. Super nickel. Après 15 secondes, ça devrait être prêt. Et la cape, on la réserve. Et on tourne. Le restant, on sort pour plus tard, hors caméra. En effet, c'est prêt. Et on réserve. La poêle, on éteint. Et on passe à la sauce. Dernière étape de la cuisine, c'est de faire le beurre Suzette. C'est-à-dire, poêle, feu à fond. Et on attend 150 degrés Celsius. Je suis à 150 degrés Celsius. Sucre de canne, 50 grammes. On égalise, on fait chauffer le beurre, salé, un peu ici, un peu là, on égalise. On fait un genre de caramel sans caraméliser. À ce stade-là, les zestes vont confire en même temps. On mélange. Le sucre est cuit, jus d'orange. On déglace, on fait réduire en même temps. Donc vous avez compris que la pâte à crêpe, il n'y a pas de sucre, car il y a beaucoup de sucre. On mélange, on fait réduire tranquillement. Pour les gourmands, un peu de Grand Marnier. On fait réduire. La réduction est prête, ça commence à caraméliser autour, impeccable. Jus d'orange, on met tout. Maryse. En fait, c'est une sauce qu'on appelle aussi, en termes techniques, un beurre Suzette, donc un peu du beurre. Feu, on éteint et on monte au beurre. Monter au beurre, ça veut dire comme ça. La sauce est prête, la mesure revient et le beurre Suzette dans la mesure. La poêle à la plonge et le beurre, on le réserve pour le serveur. Maintenant, nous sommes en salle, le guéridon du serveur est en place. Tout est prêt, on y va. Le serveur n'est pas arrivé, donc je prends sa place. Première étape, feu à fond. Le feu est à fond, on laisse chauffer. Poêle, on change. Pour les gants, c'est pour me rappeler les années 80, des années glorieuses de la restauration. Dans le temps, c'était comme ça. On va vivre une louche, deux louches. Première crêpe. On fait un tonne et retourne. On égalise. Le feu, on le baisse. En salle, il n'y a pas de table chauffante. Donc, l'eau est chaude, l'assiette comme ça. La crêpe, on la plie en quatre. Et la crêpe, on la réserve. Une deuxième. Un peu de sauce. On laisse imbiber la crêpe du jus. La crêpe, on la tourne. La crêpe, on réserve. On plie en quatre. Le jus a réduit un peu plus. Comme ça, on fait un tourne et retourne et on réserve. Une dernière, un peu de jus, tourne et retourne, on fait un 4 et on réserve. Un peu de jus, le restant sort pour plus tard. On égalise, les crêpes reviennent dans la poêle. Assiette à la plonge, on laisse imbiber le tout, zeste d'orange, assez long, les crêpes en réserve, maintenant le spectacle, louche, Grand Marnier, on fait chauffer, les crêpes elles reviennent, et on flambe, on égalise. Le fromage terminé, feu éteint. Maître Hôtel, le serveur n'est pas là, mais c'est prêt, on enlève. Et merci à vous qui me suivez en Bretagne, et partagez, salut, bye.